Remplacement du gaz d'une lampe à souder. Tout d'abord, il nous faut dévisser le pistolet de la bouteille de gaz. La bouteille se trouve sous la cloche. On va enlever la fixation qui est très sommaire et déclipsable. Le remplacement est très simple comme vous le voyez. On ne peut remplacer une bouteille que quand elle est finie, sinon on va perdre le gaz qu'elle contient encore. Avec la bonbonne neuve, on va essuyer le haut de manière à n'avoir aucune impureté. On va la placer dans le compartiment sous la petite cloche et remettre la fixation. On va ensuite retourner pour pouvoir remettre en place le pistolet tout simplement en le vissant. Le simple fait de revisser le pistolet va perforer la bouteille de gaz. Vous ne vous en apercevrez pratiquement pas. Une fois vissé à fond, vous pourrez alors tester votre lampe à souder. Elle fonctionne. On la referme et on pourra donc jeter l'ancienne bonbonne. Le bricolage continue aussi sur Facebook. Rejoignez-nous.